die Schauspieler ja eine sehr eigene Art haben zu sprechen, nämlich sehr wenig intonieren in ihrer Sprache, sehr frontal gefilmt werden. Und vielleicht kann uns dann auch ein bisschen was erzählen, wie das ist und warum das so ist. Donc, j'aimerais bien encore en parler avec, sur le travail avec les acteurs qui ont une façon de parler qui a très peu d'intonation et très souvent aussi sont filmés de façon très frontale. Donc, quelles sont les idées derrière cette méthode? Ça fait partie de mon langage cinématographique. D'ailleurs, c'est un peu étonnant. Il y a dans les projections de presse actuellement à Paris, il y a des critiques qui disent que je ne change pas mon style, je ne renouvelle pas mon style, mais c'est un style, c'est justement un langage personnel et je ne ressens pas le besoin de le renouveler. Je raconte à chaque fois d'autres choses, mais avec le même langage. Et le but de ce langage est toujours de permettre, ça revient à la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est-à-dire, le but c'est de me permettre, en tant que cinéaste, de capter les éléments du monde réel et de faire voir une réalité qui est cachée en dessous. Bon, je vais me traduire. Ja, also diese Art und Weise, mit den Schauspielern zu arbeiten, ist in der Tat ein Teil seiner cinématographischen Handschrift, was vielleicht ganz interessant ist. Zurzeit sind gerade Pressevorführungen in Frankreich, weil der Film ins Kino kommen wird. Und Kritiker schreiben, dass es immer die gleiche Art ist und dass er seine Handschrift eben nicht erneuert. Aber das sollte auch nicht das Ziel sein, weil ein Stil ist ein Stil und es ist seine Art und Weise, über diesen cinematografischen Stil und was wir auch zuerst gesprochen haben, über das Bild hinaus ja von etwas erzählen, eine Wahrheit zu erzählen. Und die funktioniert über diese Art und Weise zu spielen. Et donc, quand je filme quelque chose, que ce soit une pierre ou un être humain, je cherche à capter ce qui est caché, l'énergie spirituelle qui est cachée. Et donc, bon, au centre de mes films, il y a toujours des êtres humains. Et c'est la parole qui peut libérer ce qui est caché. Mais quand un acteur commence à faire une interprétation psychologique, ça devient, ce qu'on voit, c'est simplement le résultat d'un processus intellectuel, puisqu'il est toujours en train de se dire qu'est-ce que je dois faire pour représenter telle ou telle émotion, qu'est-ce que je dois faire pour paraître naturel. Et moi, je ne cherche pas à faire paraître naturel des personnages comme dans la vie, mais ce que je veux qu'ils soient vraiment authentiques, c'est leur intériorité. Donc je leur dis toujours de parler comme s'ils parlaient à eux-mêmes. Parce que quand on parle à soi-même, on ne fait aucun effet de rhétorique. On ne cherche pas à convaincre. Il y a juste la parole nue qui sort. Et c'est la parole qui dégage l'émotion. Also, ganz egal, ist ob ein Stein oder ein Menschenfilm, es geht immer darum, das Verborgene zu zeigen und eine spirituelle Energie sichtbar zu machen. Und beim Sprechen hat es einfach den Hintergrund, dass sobald ein Schauspieler versucht, Psychologie da hineinzubringen, ist er mit viel zu vielen Fragen beschäftigt, wie kann er das jetzt zum Ausdruck bringen, wie soll das interpretiert werden, wie kann ich es tun, damit es natürlich wirkt. Und das ist sozusagen eine verlorene Energie, also es geht einfach viel mehr. Er sagt dann seinen Schauspielern, sie sollen so sprechen, als würden sie mit sich selber sprechen, weil wenn man mit sich selber spricht, dann gibt es überhaupt keine Intonation, es gibt keine rhetorischen Effekte und das ist eigentlich der Weg, der am ehesten dazu führt, eine innere Wahrheit hervorzubringen. Et quand je fais, il y a souvent des moments clés, c'est souvent des dialogues. Et quand on parle avec n'importe qui en dialogue, on est face à face. Et une grande partie de l'expression, ça passe par le regard, surtout en ce moment où tout le monde est masqué. Donc, selon les règles classiques du cinéma, il faut cacher la caméra là. Donc s'il y a quelqu'un, si je parle avec quelqu'un, on met la caméra là et on ne voit qu'un des personnages et seulement sous un angle oblique. Mais moi, je trouve que j'ai le droit de mettre la caméra où je veux.
Et donc, quand le dialogue devient plus... Ça commence là, donc ça commence normalement. Le personnage qui parle regarde l'autre personnage et la caméra est là. Mais quand ça devient plus intense, je mets la caméra entre les deux personnages. Et donc, vous, spectateurs, vous recevez pleinement l'énergie du personnage qui parle. Also es geht, ich suche gerade den ersten Satz, jetzt mir ist entfallen. Aber auf alle Fälle geht es darum, dass nach den Regeln Also die entscheidenden Momente passieren in seinem Film sehr oft im Dialog. Ja, das sind einfach die wichtigsten Momente. Und wenn man die nach den strengen Regeln des Kino, des Filmens filmt, dann sind sich die beiden Menschen gegenüber und man stellt die Kamera zur Seite und filmt in einem schrägen Winkel. Und er findet aber, das gibt es auch, aber je intensiver es wird, da erlaubt er sich, dass er die Kamera sozusagen zwischen diese beiden Menschen stellt und wirklich frontal filmt, weil dann ist man als Zuschauer direkt mit dem Blick konfrontiert und auch die Energie der Figur geht direkt an den Zuschauer über.